Madame, Monsieur, bonjour, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition du 13h. Voici les titres de ce samedi 31 février. L'information vient de tomber. Sylvester Stallone se serait fait exécuter par Oussama Ben Laden en personne. Des tracteurs seraient incendiés toutes les nuits dans le Loir-et-Cher. Nous tenterons d'en savoir un peu plus dans cette édition. Fini les petits déjeuners tristes et sans odeur. Découvrez Perles de lait. Perles de lait, le premier lait qui fait des perles. Chérie, tu peux me passer le chocolat ? Le fait média du jour, c'est donc ce bidonnage dans le 13h de France 2 hier qui a proposé aux téléspectateurs un faux témoignage lors d'un reportage diffusé dans son édition. Voilà, voilà, voilà. Faubourg, F-A-U-B-O-U-R-S. Oh merde. Solange, Solange, mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que je vous ai fait ? Rien. Michel est vraiment découragé. Superbe ambiance. Demain, dernière étape dans ce monde des confréries, nous irons célébrer le fameux coco, le haricot de Pimpol. Je ne sais même pas où vous êtes là. Ah, tout juste, j'ai rien entendu. Vous allez voir, c'est facile, on fait tourner une roue, il faut trouver des mots. D'accord. C'est avec beaucoup d'émotion. Je prends congé de vous, chers téléspectateurs, vous qui m'avez accompagné pendant ces 4 années au journal télévisé. Je vous remercie de votre confiance qui m'honore et qui continuera à m'honorer toute ma vie. Vous êtes le maillon faible. J'ai un goût de sale dans les yeux, les idées floutées par des images poussées du monde inondées de chiasse. Inféconde pour l'imaginaire fertile. Très nécessaire, j'imagine que c'est. La raison qui s'enfuit, Nabila qui s'envoie en l'air, Macaboche qui s'ennuie, Drucker qui fait la son. Plus d'anal sur les ondes, c'est l'opinion publique qui s'en fout. Tant qu'on n'arrête pas mon émission, je vous invite à réaliser ce que la télé vous a fait manger. Endoctriné et dépecé de toute idée de révolter. Avale bien ta pilule comme un gros doigt dans le fion. Une boîte à con, une boîte à rond, une actu qui tourne en rond. Un petit écran pour des grands cons, machination pour des moutons. Des enfaits sous Doliprane, un lavage neuronal. Toxicomane, mascarade, déverseur de mythomane. Pour moi, il n'y a pas de débat, tu la tèches et puis voilà. Arrêtez de toucher les bords, même le fond c'est crado. L'écran noir est rempli d'électronique, au plasma encéphalétiquement plat. Certifié, c'est eux. Choisissent le programme jusqu'à l'épiderme. Relié au pot d'échappement où la boîte à con refoute sa merde. Elle est belle la France, si seule la moisissure fait résistance. L'hôpital, tu les verras pas, la célébrité, on n'en veut pas. Mais dites-moi, pourquoi ils veulent débuter la vodka. Mais dites-moi, pourquoi ils vendent tous leur cul dans cette boîte. Et c'est pour l'argent, hein, qu'est-ce que tu crois. Regarde clairement devant toi, on te mitote, tu ne le sais pas. Avec le blaze dans le pâté, le cerveau bien formaté. Ils arrivent encore à nous faire croire que les guerres sont faites d'espoir. Faut que tous les gens se réveillent, le mal n'a pas sommeil. C'est toujours aussi dégueulasse. Ça pointe, cette boîte à con. Anesthésie, contrefaçon. J'aime pas ton émission. Cathodique, fabulation. Ça pointe, cette boîte à con. Anesthésie, contrefaçon. J'aime pas ton émission. Cathodique, fabulation. Ça pointe, cette boîte à con. Anesthésie, contrefaçon. Sous-titrage Société Radio-Canada.